Eh bien salut à tous et bienvenue dans Red Dead Redemption 2. Bienvenue dans cette nouvelle série. Alors c'est pas sans mal parce que j'ai des problèmes techniques, c'est un peu galère. Mais bon, on va y arriver, on va s'en sortir. Donc on y va tout de suite, donc en mode histoire. Alors je sais pas du tout parce qu'en fait j'ai commencé une partie mais en fait je l'ai pas enregistrée. Du coup je sais pas comment je vais faire pour recommencer la partie. Donc je rentre, j'appuie sur histoire parce qu'il n'y a pas d'autres options. J'ai pas trouvé d'options pour recommencer l'histoire, peut-être faut rentrer dans le jeu pour pouvoir le faire. On va voir ça. Bon, en attendant, on profite de belles images. Je peux vous dire que le jeu il est vraiment terrible. J'ai joué quoi, une heure, à peu près une heure, et je peux vous dire que c'est vraiment un jeu. C'est aux petits oignons, hein. Ça c'est clair. C'est dommage, j'avais fait toute une présentation avec. En me connectant au moment où je pile au moment où je sortais, mais malheureusement ça n'a pas marché. Du coup je dois recommencer. Je dois recommencer. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'on peut recommencer facilement une nouvelle histoire quand même. Je voudrais pouvoir vous faire profiter de ça. Ouais, parce que là je suis dans l'ancienne partie quoi. Alors du coup comment on fait? Regardez, charger. Ah voilà, nouvelle partie, donc on a trouvé. Nouvelle partie. Donc on s'est parti. Bah nouvelle partie, voilà. Il fallait trouver les menus. Donc on s'engage vers une nouvelle partie, on y va. Attention, voulez-vous vraiment commencer une nouvelle partie? Toute progression dans ce garde sera perdue. Oui, je veux commencer une nouvelle partie. Puisque je voudrais quand même vous faire profiter du contenu entier du jeu. Voilà, et pas un bout de partie, pas de recommencer un bout de partie entamé, d'un bout de partie entamé. C'est quand même mieux. Alors le problème, c'est qu'on voit pas trop quand est-ce que ça sauvegarde. Il y a des points de passage visiblement, c'est ce que j'ai compris. Il n'y a pas de sauvegarde un peu comme on veut. Ça par contre c'est un petit peu pénible. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc je vous laisse avec les dialogues, hein, en même temps, voilà, je vous laisse lire. Tout à l'heure j'avais fait un peu de... Bon là, juste là je vais lire quand même. En 1996, l'âge d'or dehors la loi et des as de la gâchette touchés à sa fin. L'Amérique devenait un pays régi par les lois. Même l'Ouest avait été dompté. Quelques bandes arpentaient encore ces terres, mais elles étaient traquées et détruites. Alors j'aime, c'est le mot détruit, souligné, destroyed, souligné. Rockstar Game présente. Red Dead Redemption 2. Eh ouais, c'est un jeu qui était très attendu. En espérant qu'il soit à la hauteur des promesses tenues, on va dire ça comme ça. Non mais franchement, pour l'instant, de ce que j'ai vu, je peux vous dire que Rockstar tient ses promesses. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, c'est bien, moi ça me permet de refaire le didacticiel en même temps. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest, buddy. You know.
An old mine in town. Bandit, it ain't far. Come on. Come on! Yeah! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Okay. Bah, c'est parti, hein. Parmi X pour caler notre vitesse sur celle de Dutch. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close and we'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Ok. Bon, je parle pas beaucoup parce que je voudrais vous les faire laisser profiter de l'ambiance du jeu, des dialogues. C'est vraiment bien fait. Je peux vous dire que bon, j'ai joué une petite heure, hein, donc bon, je sais un petit peu ce qui va se passer. C'est vraiment un jeu exceptionnel, hein, vraiment. Utilisez R, hein, pour ralentir votre cheval.
R1. Faut que j'apprenne les commandes par cœur, parce que tout à l'heure j'ai fait pas mal d'erreurs. C'était un piège. Ah non, je dis large, je me suis trompé. You at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. It'll be safe for now. Wait, is that someone coming towards us? Okay. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. The place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Vous voyez les effets de neige, les effets de lumière, enfin c'est vraiment bien fait. La neige, j'ai rarement vu une texture de... une gestion de la neige sur un PC, sur un jeu. J'ai rarement vu une aussi belle gestion. C'est vraiment impressionnant. Ça c'est génial aussi. On peut profiter de... Vous voyez, tourner un peu comme on veut. Aussi que c'est pas si évident que ça de maîtriser le cheval. Tout à l'heure j'ai fait pas mal de conneries dans la première version. C'était c'est pas si évident que ça en fait. Bon là oui évidemment c'est simple, hein, y a pas de neuf particulières à faire. Mais dans les scènes d'action c'est pas évident. Okay, let's head down there. Okay.
santé est affiché en bas à gauche de l'écran. Ah oui. C'est ce qui est expliqué tout à l'heure, effectivement. Let's hitch up here. Amenez triangle pour attacher votre cheval. Let me do the talk. We don't want to scare these folks. Sounds like quite the party. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Ok, bon, bah, ce qu'on va faire les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 1. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2 très prochainement. Allez, ciao, salut.